Creed, Need for Speed 2015. C'est parti. Je viens tout juste de lancer le jeu. Toute première fois que je lance ce jeu, c'est parti. On va jouer. On va essayer de jouer au clavier. Si je vois que c'est compliqué, je vais passer à la manette. J'ai la manette 360 qui est branchée là. Donc, on va faire vite fait un petit tour dans les options, même si je l'ai déjà fait hier. Mais je regarde juste si c'est bien enregistré. Ouais, donc là, visiblement, c'est bien enregistré. Tout ce qui est touche. Après, paramètres graphiques, j'ai tout mis à fond. Mais si ça rame à mort, je baisserai. Hein. J'ai enlevé le flou de mouvement parce que je trouve pas ça super agréable. Voilà. Et voilà pour l'instant. Là, j'ai tout mis en ultra, hein, tout à fond. Donc, je rappelle que j'ai une 1060 GTX, 6 Go de RAM, 16 Go de, enfin, voilà, carte graphique fait 6 Go de RAM, enfin de VRAM. J'ai 16 Go de RAM de RAM, hein, tout simplement, en DDR3, je crois. Et par contre, j'ai un processeur assez faiblard par rapport à la config. J'ai un i5 4670. K et ça va un petit peu pêcher, je pense. Avec au niveau du processeur, on va bien voir entre le stream et la capture. Parce que là, je suis en train de capturer avec Fraps et streamer avec OBS. Et OBS sur les jeux un peu gourmands, ça pompe pas mal. Donc, on va bien voir comment on va se débrouiller là-dessus. Donc, j'ai mis donc je regarde, au niveau de l'audio, j'ai mis les sous-titres normalement. J'ai baissé par contre la musique, hein, pour éviter de me prendre des copyrights. Voilà, je l'ai mis à ce niveau-là. On va voir pour le premier épisode si YouTube capture quand même le son. Enfin, s'il me fait chier, sinon, hein, voilà. Donc j'ai mis les sous-titres pour votre confort à vous. Voilà, et après pour ce qui est du reste des paramètres, bon, je mets tout, voilà, on verra bien. On est parti, sans plus attendre, let's go. Bon, il est 11 h, donc pour l'instant sur le stream, il n'y a pas grand monde. Je pense que ça va venir petit à petit. On est parti. Alors, matchmaking, speed list. Les speed lists sont des séries de tournoi. Nanana, ok. Bonjour au cœur de nanana. On va rejoindre pour. Ok. All drive, speed list. On va faire all drive pour l'instant. On va se concentrer. Je sais pas, je pense que all drive, ça doit être le solo. Enfin, je sais que ce jeu-là, il est connecté en permanence. Sort speed, donc au risque de tomber avec des joueurs, très bien. Donc on est parti. Recherche de joueurs que vous pouvez rejoindre. Parce que moi je veux rejoindre personne. Bon, enfin. Enfin. Enfin, l'ABM. T'entends ça? Relax, ils sont super loin. Ouais, mais je suis en conditionnel. Je me casse. Mauviette. Eh, tiens, il faut absolument que tu viennes, mec. Il y aura les meilleurs et je te présenterai à mon pote Travis. Il a plusieurs caisses à refourguer, mec, je te jure. Ce sera l'occasion de passer à une autre catégorie. Eh, moi, c'est Spike. On se voit là-bas, d'accord? Ouais, ça ramouille bien 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 comme il faut là sur le stream. Bon, pour la capture ça va être bon, hein, frappe ça. C'est un peu de violo là, 40 fps. Oula, par contre ouais, esthétiquement c'est un peu chelou. Hein. Attends, j'ai tout mis à fond, mais là il y a un... C'est Spike. Je pensais te trouver sur Bla. Écoute, c'est la folie ce soir, je te jure, il y a du beau monde à Ventura Bay. Donc on est avec une Ford, donc la fameuse Ford du début là. Donc là, qu'on tape longuement sur. Bon, par défaut. Je t'envoie le lien. Vous êtes dans ta carte. Ok, à toute. Bah, il reprend toujours la configuration de la manette. Moi, je suis au clavier. J'ai pas de. Je teste un peu la conduite avant d'aller faire un tour. On va se balader un peu histoire de.
tâter un peu loin. Juste, ça la garde. C'est à 100%. Par contre, je dois freiner. Ah oui, c'est vrai que le frein, j'ai mis sur contrôle. Comme sur Trackmania. La ligne bleue de la mini-carte, oui, j'ai compris. Okay, les gens qui se connectent, ils se déconnectent. D'ailleurs, la mini-carte. Donc là, c'est les applications sur Tab. Donc on verra ça plus tard. La mini-carte. Donc, je vous montre un peu la carte pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu. Hein, même s'il est sorti il y a 2 ans. Donc la carte s'affiche les épreuves, normalement les lieux, les objectifs, les autres joueurs qui circulent, etc. Les récompenses, nanani, nanana. Bon, hein. Bon, par contre, la souris n'est pas prise en compte, visiblement. Hein. Là, c'est que au clavier. Donc page précédente, page OK pour ça. Ensuite, c'est fin. Alors, la touche fin, à chaque fois, je confonds. Moi je l'ai pas la touche fin dans son... Ah si si. Pour dézoomer, la touche début pour zoomer, enfin pour dézoomer le maximum et après pour zoomer. Donc la map, hein, bon, elle est pas non plus immense. Donc elle est canyon, ok. Ouais bon. Les montagnes, royal machin, la ville, au centre-ville. Salut mon gars, je suis au club là, tu viens? Ouais ouais t'inquiète, je viens. Ouais ouais. Lui laisse un message. T'entends ça? Donc il y a les défis quotidiens aussi, donc ça reprend un petit peu ce qu'on devait faire dans Revolts aussi un peu. Avec les défis tout ça, la speed list. Revolts que j'ai un peu joué, mais bon, vu les soucis d'optimisation sur PC, j'ai un peu laissé tomber le jeu, je crois que j'ai jamais fini. D'ailleurs. Bon, on va se balader un peu, hein, on va pas non plus suivre le tracé. Bon bah la conduite est pas non plus si dégueulasse que ça. J'avais eu des échos comme toi, c'était assez dégueu. Au final, là pour l'instant. J'ai vu la ligne bleue, je suis un map, oui, j'ai compris. On se passe, ça va. Par contre, c'est bien à 30 FPS dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a ici là? Je pense le. Ok, le poste de police. En termes de caméra, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on n'a pas d'un caméra à l'intérieur. Bon, on va mettre. On a quand même 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est la caméra spéciale, ouais. Ça, c'est ce qu'on avait dans Halo 3 2015. Ça rame un peu trou du cul, je vais baisser les graphismes. Là, je vois que ça chute à. Ça chute de temps en temps. Je sais pas, ouais, sur le stream c'est lui, ça rame un peu. Diffusion sur YouTube, donc on arrive sur le café là. Cinématique. Never sleep. Bon, cinématique. Ah, par contre, cinématique c'est à 60 FPS. Hein.
t'es venu. Eh, pas mal le petit style. Il y a du beau monde ce soir. Viens, je vais te présenter ma bande. Allez, viens. Ah, hey. Regardez qui voilà. Tu me présentes pas? Eh, hey, ce mec vient de drifter sur 150 mètres sur une bretelle de l'I5 à hauteur de Turner. C'était malade. Oh, il en a laissé de la gomme, crois-moi. Ça devait envoyer. La dernière fois que Spike était autant à fond, c'était... Ah ben non, il est toujours comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes. Robin, essaie d'être à la hauteur. T'en fais pas pour lui, c'est un bon. Et justement, je l'emmène voir Travis. Je vais lui demander de bouger quelques caisses pour qu'on puisse bosser. Allez, suis-moi. Il casse déjà les couilles, lui. Salut, Amy. Voici Amy. Mignonne, non? Ouais, moi aussi, je t'aime. Travis? Yo! J'ai quelqu'un à te présenter. Ah ouais? Et pourquoi? Oh mec, il faut que tu le vois à l'œuvre. Il a un super coup de volant. Bon. T'as l'air d'avoir tapé dans l'œil de Mister Rodeo. Carrément. C'est un bon, crois-moi. Tu te pointes au bon moment, toi. Il y a de super pilotes en ville qui ont envie de marquer l'histoire. T'as un sacré bol, mon vieux. Les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour démarrer un projet. Alors si t'as réellement quelque chose dans le ventre, comme il dit, je te conseille de leur montrer ce que tu vaux. Mets la misère à un de ces guignols. Peut-être que quelqu'un te remarquera, qui sait. Alors, je pense qu'on va devoir choisir. Donc, la Ford Mustang Fox Body. Ah, ça, c'est Fox Body de 90. La Honda Civic Type R de 2000. Ou la BRZ Premium de 2014. Alors, premier choix qui s'offre à nous. Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre. On va plutôt dire Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. Je pense que ce sera moi. J'hésite plutôt entre Salamèche et Carapuce. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je suis pas trop Honda moi. La Civic... Enfin la Type R là ça me tente pas trop. Il y aurait eu une petite MR2, j'aurais pas dit non. En Toyota et en Honda plutôt une NSX ou une autre Civic là, la petite. Pas celle-là, celle-là me tente pas trop. Après en Mustang, moi, j'aurais préféré une vraie Mustang, celle-là un peu bas de gamme, donc je vais plutôt me focaliser sur la BRZ. La BRZ c'est, bah, c'est classique, hein, on la voit à peu près partout. On va prendre la BRZ, voilà. Pour commencer, après elle nous empêchera de faire rien. Bien vu dans le clan, vieux. Tiens. Mortel, hein. Allez, Amy, viens juste l'écouter deux minutes et dis-moi si elle ronronne normalement. Oh. Salut, mec. S'il te plaît, je l'ai garé juste devant. Allez, s'il te plaît. Spike, tu sais, j'ai des clients qui paient des fortunes pour ça. Donc, tu me la joues comme ça, hein? Ouais, c'est comme ça. Attends. Petit décalage sur son image. Tiens. Waouh! Alors là, je me sens beaucoup mieux. Je paie toujours, tu sais. C'est ton bien. Père qui paie toujours, mais ouais. Arrête, c'est un cuir à plus de 1000 boules. C'est bien ce que je disais. Tu m'as mis de la graisse. Même au meilleur pilote de Californie, elle fait pas de cadeaux. Sa philosophie, c'est que c'est pas la peine d'essayer si t'as pas de blé. C'est très poétique. En même temps, c'est la vérité, donc... Alors, t'es prêt pour nos rendez-vous? Allez, suis-moi. On a pas mal de monde à te présenter, mon pote. Décalage son image, hein. Je sais pas si ça sera visible pour vous aussi. Oh, les Royal Dog, nanana. Ouais, je sais que on peut faire des donuts et des photos, des panoramas. Okay, les gars, les autres. Alors, suivez les flèches bleues sur lui, ça. À chaque fois, ils nous mettent, mais c'est trois fois qu'ils nous mettent. Donc, Subaru, mis en 180 SX et Spike et les deux largement. On va devoir suivre le crew. Se rendre. Ouais. Bon, en fait, dites-moi si
Oula. Oula. Oula là là là, c'est pas un gros bug là. Ah, vous avez vu en direct. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais... Il y a eu comme un souci. Traverser la map quoi. Je suis tombé dans... sous la map. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peux m'interfacer. Ah si ça revient. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je crois qu'on me l'avait dit ça aussi que parfois il y avait des soucis à traverser la map. Ça c'est récurrent, espagnol. J'espère que ce sera pas. Ce sera pas récurrent justement. Ah, c'est parfait. Ça commence un peu mal là. Hein. Bon, on arrive. J'arrive dernier mais normal. Hein. Salut, pas mal, hein. T'as survécu à deux courses contre Spike alors? Je t'ai sous-estimé on dirait. Survécu? Tu rigoles, c'est Spike qui avait du mal à suivre. Ah, oh, excuse-moi. Il avait pas du mal à suivre, il était complètement largué. Ça te fait plaisir. Ah. Emmanuel! Emmanuel! Viens voir par là. Mais qui a osé? Salut les filles. Bah alors, et moi mec? Allez! Ah, le problème, c'est que ça m'embêterait de briser ta petite carcasse de moineau. Allez, viens là, mon grand, viens faire un câlin. Te fie pas aux apparences, mec. Il est super vif derrière un volant. Moi, c'est Emmanuel. Et ça fait encore trop de syllabes pour ces andouilles. Appelle-moi Manu. Oh, belle poigne. Hey, lui, c'est Fred, le marteau norvégien. Salut, mec, Frédéric. Bon, on va arsouiller en ville ou on reste ici, à Chambre et Spike? Moi, je dis les deux. Excellent, on va manger un bout. J'ai pas assez mangé ce soir, perso, j'ai trop la dalle. Sérieux, à quoi ça rime? Tu manges trop et Manu, rien. Ouais, Robin, à ce rythme-là, tu vas nous flinguer tes amortisseurs. Très bien, grand malin. Le dernier arrivé, paie l'addition. Non, non, le dernier arrivé invite tout le monde. Hey. Ouais, hein. Heureusement que dans la prochaine histoire de pile, il n'y aura pas ces trucs là. Cinématique un peu what the fuck. Bon, désolé, hein, sur Twitch là, visiblement ça lagouille bien comme il faut. Il va falloir que je bidouille OBS, là, c'est pas possible. Tous les jeux récents ça drop. En fait, dès que mon processeur attend 100%, bah ça fait ça. Je vais m'envoyer le plus. Bon, pour commencer une épreuve d'Alana, ouais, flèche bleue, ok. Bon, ça, c'est un peu comme dans Evolves. On est parti en espérant, je sais pas de nouveau le bug là, passer à travers la map. Bon, j'ai pas dit trop, tu vas être bad. C'est pas que tu ça. Allez hop. Bah, je pense que c'est lui qui va payer l'addition. Mais il est en cinématique. Bon. Quand même 2-3 petites frises. Hein. Peut-être que je vais baisser les graphismes. Au moins l'occlusion ambiante, tout ça. Là. Ça nous fait plus. Niveau processeur. Je sais, hein, c'est le processeur. Pas que la graphique est nickel. Ah, encore le bug. Deux fois que j'ai dit ça. Je tombe dans le vide. Ah, la map a pas le temps de se charger et du coup bah, voilà, on tombe dans le vide. Ça je l'ai déjà eu dans Forza hein, aussi. Heureusement que c'est pas une course. Hein. Voilà. De toute façon, on est pas loin de la fin là. Tant que l'interface se réaffiche. Hein. Ce qui s'est passé. Voilà. Eh les gars, vous prenez rien à plus de 5$. Hein? C'est un resto. 5$, c'est le minimum. Et pas de dessert, mec. Je suis pressé de faire une course ce soir. J'aurai l'adresse d'une seconde à l'autre.
Oh, pour moi, je pense que ça va se finir en boîte. T'as qu'à venir? Tu rigoles? La soirée fait que commencer, les gars. Et pour moi, c'est course. Moi, je vais rentrer à l'atelier. Tu veux venir voir? Je te ferai un petit peu de place, si tu veux. Elle va s'occuper de toi, vieux. T'es jaloux, Spikey? Ouais, c'est ça, comme je suis jaloux des gens qui roulent à 90. Je vous avais vu Travis, ce soir. Ouais, il devait voir quelqu'un. Ben, tu peux pas, Test. Magnus Walker est de passage. Je l'ai vu discuter avec Travis en boîte. Oh, c'est pour ça que Spike est pressé. Il a un rendez-vous. Avec le destin, mon vieux. Ce soir, ça va chauffer. Hé, hey, tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre, ok? Ouais, mec. Bon. Est-ce qu'on va pouvoir la tuner un peu, là? Dans ce BRZ, il y a 5 façons de jouer. Oui, donc là, pour gagner de la rep. On va gagner de la rep. Ouah, je gagne un max de rep. Donc, en haut de l'écran, conclusion, réaction de vitesse, simulation, prouesse, tout ça. Donc, appel entrant, page de bas. Pourtant, j'ai fait page bas. Si on apprend un peu, circuler là-dessus. Alors, par contre, ouais, vu qu'il n'y a pas la souris, je sais pas comment on fait là pour. Carte message. Amy, costumation. C'est Amy. J'ai oublié de te dire, ta caisse faisait un sale bruit tout à l'heure. À moins que ce soit celle de Spike. Ouais, c'était peut-être celle de Spike. Bon, je suis à l'atelier. Viens réparer ta caisse si tu veux. A plus. Ouais. Donc, on va peut-être rejoindre Amy pour le garage, comme ça on pourra custom notre bagnole. Et après, pour les filles quotidiens, au fur et à mesure qu'on rejouera, je pense qu'on va pouvoir les atteindre. Donc, rep, action rapide. Drifter né. Ouais, j'ai rien foutu. X point une notification, on n'a aucune notif. Ouais, donc ça, ça doit être pour les reps, la réputation, tout ça. Et puis la carte, on l'a vu tout à l'heure. Bon. Il y a des gens qui se connectent, qui se déconnectent là-dedans. Donc, il faut pas chier. Ça va. Peut-être faire des votre message, oui. Si je vais laisser encore un message d'aide là. Ah bah encore le problème, ça c'est du processeur. Je pense que c'est lié au fait que je stream et je capture en même temps. Le processeur peine un peu et du coup la map se charge pas et ça fait ça. J'avais le même problème sur Forza, souvenez-vous, hein, sur Twills. Voilà, la map disparaissait. Pareil sur GTA. Sur The Crew aussi, ça m'est arrivé. Ça, c'est le processeur. Ça se faisait aussi sur PS3 quand je jouais à Minecraft 2, Los Angeles, où j'étais tellement gourmand que PS3 avait parfois du mal. Et... vérifier comme il faut OBS. C'est de faire des bonnes. Des modifications déjà, j'ai installé la version 19 de OBS. Je suis toujours en 17, apparemment il y a 19 qui est sorti. Donc... Oui, j'ai compris. Bon, le cap, c'est ça, casse. Échappe pas aller dans les options là. Je fais échappe, on peut rien faire. Menu. Tab. Je sais que c'est pour faire prendre les photos. Envoyer. Ouais. Il n'y a pas. Arrière. Je cherche comment faire pour avoir le menu. Je ne peux pas quitter. Sous l'échappe, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe sous l'échappe? Je fais start de la manette. Bon,
commence à... On va bientôt faire un épisode, hein. Je pense que ça soit trop long. Ça a déjà une demi-heure. Enfin, une demi-heure. On avait 5 minutes pour les chargements. Le premier chargement qui est temps. On va dire qu'il reste encore 10 minutes. Bon, là, c'est juste au début. On n'a pas fait grand-chose. On a fait les cinématiques. On a quand même pris notre bagnole. Voilà. J'ai pris une BRZ, hein, pour commencer. Sous la Honda, ça ne tente pas du tout. Et puis là, Mustang, je préfère avoir une autre Mustang. Page suivante pour entrer. Page suivante. Ok, page en haut c'est précédent et en bas c'est suivant. Hop. Installer votre pneu. Voilà. C'est vrai qu'on peut modifier le comportement avec les. Soit drift, soit grip. Alors. Je t'entends, tu sais. Ouais, touche à ma playlist et je te tue. Ah! Hey! Travis m'a dit que tu bricolais un peu, toi aussi. C'est cool, ça. Ok. Première règle, prends les outils que tu veux, sérieux. Tant que tu les remets minutieusement à leur place. Pour le reste, l'atelier est tout à toi. Oh, ça, c'est mon dernier caprice. Écoute. T'entends ce ronronnement? Celle-là, ce sera mon plus beau projet. Je le sens bien. Je voudrais que Nakai-san la voie avant qu'il quitte la ville. S'il aime ce que je fais... Yo, y'a pas de son, c'est normal. Ici, normalement, y'a du son. Vous entendez rien ? Ok, bon, ben, tu sais tout. Je vais y aller. Je dois voir Spike. Attends, je finis la cinématique et après je vais voir. Travis a bougé des caisses pour te faire un peu de place, alors installe-toi parce que je peux t'assurer que demain, il y en aura partout. Tu devrais réfléchir à ce que tu vas faire, tu vois, planifier ton projet. Oriente ta vision. Oula, on aurait dit Travis. Ok, j'y vais, je me casse. Éclate-toi. Et peut-être à tout à l'heure, hein? Oh, et remets les outils à leur place. Cool. À toute, mec. Bon, on va pouvoir customiser notre bagnole. On va enlever tout ce qui est stick, hornigan, tout ça. Donc là, ouais. Quand il veut pour afficher le... Ah, voilà. Donc, bienvenue dans votre nouvel espace, nanani nanana, avec les dollars gagnés, hop, on peut personnaliser, logique. Pas besoin de les vendre, hein. Tu verras ça au garage. Bon, on va voir un petit peu si on peut modifier des trucs, même si je pense qu'on n'a pas grand chose. Bon, on a 4500, on est niveau 1. Habillage peinture, bibliothèque de peinture, habillage, écrit un... Ok. Modifier peinture, partager, supprimer peinture, habillage, on va supprimer. À faire de base. Hop, désolé, petite coupure, j'ai eu des soucis avec Fraps. Donc je suis en train d'un petit peu découvrir l'atelier peinture et les vinyles. Donc j'ai fait un truc assez sommaire, hein, assez basique pour l'instant. Voilà. J'ai deux bandes sur le toit et la pare-choix carrière il y a avant en noir. Noir mat. Voilà pour le début. Après je verrai hein, pour peaufiner un peu plus tout ça. Donc oui, on va sauvegarder, faire une nouvelle sauvegarde. Hop. On va pas partager, hein, ça sert à rien, c'est pas ouf. Donc ensuite, boîte pièce, donc on n'a aucune pièce pour l'instant. Personnalisation visuelle. Donc changer de look, nanana. Donc, par contre ça coûte de l'argent. Je crois que la peinture c'était gratuit. Mais tout ce qui est esthétique visuelle devient nécessaire. Ok. Donc ouais, il faut atteindre un niveau spécifique. Régler la position. Régler la garde au sol. Faire comme ça. Ah, c'est pas mal, on peut tout régler, même le carrossage. Bon, je pense que ça affecte pas non plus sur la conduite, ça, les... c'est que du visuel, j'imagine. On peut déporter les roues. C'est vraiment pas mal. Ah, franchement, j'aime bien l'atelier de personnalisation, vraiment
vraiment bien foutu, je trouve. Hausseur de pente. On va pas mettre de pente, hein. On va laisser comme ça. Je l'ai un peu rabaissé. Hop. Lame par choc. Acheter article restreint. Il y a pas mal de choix, hein. Logique avec la Subaru, article verrouillé. Je suppose qu'il faut avoir atteint des niveaux spécifiques. Mais il y a pas mal de choix. Hein. Bon, pour l'instant, je vais pas mettre de lame, je vais pas modifier esthétiquement. Sur le pare-choc avant, voilà, il faut atteindre le niveau 3. Les roues, je pense que pareil, on va pas tout avoir. On peut modifier la plaque par contre. Changer le fond. Ouais, ouais c'est de base. Hein. Juste modifier. On peut changer le speed hunter là. Bon, ouais, c'est comme ça pour l'instant le texte. Ouais, ça prend pas en compte les miniatures. Les minuscules plutôt. Bon, voilà, on va pas non plus passer 110 ans dans la personnalisation. De toute façon, là, je vais vous laisser pour le premier épisode. Je vois pas de différence. Hein. Ok, Bunny, version 1, version 2. Peut-être ça modifie. On voit pas la différence. Article restreint. Je pense que ça fait partie d'un kit. Un kit large, c'est pour ça qu'on le voit pas, mais. On se barre d'origine. Ouais, il n'y a pas non plus 36 000 choix. Hein. On va mettre celui-là d'origine pour l'instant. Ou peut-être celui-là. Celui-là est pas mal. Steel Racing, hop. Voilà, donc système audio. Ah, on peut mettre un système audio. Je ne savais même pas. Capot, les vitres et un kit large. Bon, les vitres, on va les teinter un peu. Voilà. Le capot, on peut mettre du carbone. Bah, que du carbone. Ah non. Voici, il n'y a que du carbone. Quoi. On va laisser d'origine. Est-ce qu'on peut aussi modifier, on peut modifier aussi les rétros. Hein, si, il me semblait. Bon, on va pas non plus s'éterniser sans ces temps. Voilà, pour l'instant, voilà la Subaru pour l'instant, comment elle va être. On peut faire les réglages performance, persuasion performance. On peut déjà directement acheter des pièces. Donc on va voir si on peut pas acheter de l'électro. Ouais, ça coûte cher hein, déjà. Mais bon, au moins on aura de l'électro. Donc on y a deux systèmes à chaque fois. Donc bonne nitro à la famille. Régénère avec le temps ou avec les prouesses comme dans Ground. Drift, frôlement, temps comme ça. Moi je préfère plutôt qu'avec le temps. Hein. Donc on va acheter hop, voilà, un petit kit de nitro. Embrayage. Il faut atteindre le niveau. Hein. Logique. Donc il y a quand même des trucs déjà installés. Hein. Collecteur. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'on pourra débloquer des choses. Bonjour, système de refroidissement. Alors, on peut quand même passer au niveau 1 sur chaque pièce, je pense. On va pas non plus claquer trop de thunes. Je pense pas que la BRZ, je vais la garder longtemps. Hein. J'ai vite changé quand j'aurai l'occasion. D'ailleurs, on peut aller faire un petit tour. Voilà, tiens, c'est pas qui m'appelle. Eh, ça roule. Je fais un petit tour dans Royal Park. Mais il a rien de royal, ce parc. Mais si tu veux voir un champion, c'est local. Passe en libre, achetez voiture. Bon allez, on s'en fait une avant que les flics rappliquent. Peace. Ok, une Volvo. Une Golf. Bon, insuffisant, de toute façon, ouais, j'ai aucune thune là. Donc MX5, on regarde un petit peu les voitures qu'il y a. Toyota GT Apex AE86, pardon. Ah, Acura RSX, je sais même pas quelle était, je m'en souviens pas. Je me dis rien. Donc là, Honda qu'on pouvait prendre, la Mustang de 65,
Soupla, bon là on passe direct à un stade un peu plus élevé, donc la 180 SX Deep X, la Fur Lady Z. Ah oui, il y a les rats aussi. Donc la Ford qu'on pouvait prendre aussi, la RX7, CRT8, CT86, Sion, bon, c'est toujours c'est la même, hein, avec la BRZ. Donc MX5 2015, ah, Sylvia, Skyline, S2000, il y a des bons modèles, hein, merde. Donc la fameuse R34, 34 ou 32 ça, c'est une 32 ça. M4, enfin M3, Subaru, M3E92, M3 Evolution 2, NXX, ah, Porsche Carrera S, Lotus Exif S, Skyline R34, Mustang Boss, M2, Focus, mais quand même pas mal de manioles, hein, M4, ah voilà, celle-là, il va falloir que je la prenne, ça, obligé, Mustang GT, 911 Carrera S, Z4, Z28, Z06, GTR, 35, ah, il y a deux GTR, hein, Premium et 2017-2015, Vapeur SRT, Carrera, bon après on arrive au haut du panier, hein, Ferrari, Lamborghini, Huracan, voilà, puis je trouve que la meilleure c'est la F, voilà, la F40, et il y a aussi celle, ouais, le truc de Fast and Furious aussi. Bon. Donc on a vu un peu la liste des voitures. Moi je vais m'arrêter là pour le premier épisode. Déjà il fait pas mal de temps, même si j'ai des petits soucis de capture. Voilà, entendre Robin. On a mis ça en place avec un ami de Trévis qui bricole des hot rods. On peut les acheter et courir avec. Hot on n'a pas fini de s'éclater, l'ami. Ouais, bon. Sur ce, moi je vous laisse pour le premier épisode. Je vous dis à la prochaine, c'était Diablo. Ciao.